vais montrer ce qu'on sait faire à l'argenteuse. Ça va quoi, et aujourd'hui on se retrouve à Argenteuil dans le 95 pour rencontrer l'homme qu'on appelle Mehdi la folie, l'homme qui dribble plus vite que son ombre. On est ici pour découvrir où est-ce qu'il joue, comment il a appris ses techniques et pour en savoir plus à propos de lui. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut les youtubeurs, bienvenue à la maison. La youtubeurs, aujourd'hui on va à la rencontre de Mehdi Dilali et qui est Mehdi la folie, que vous avez pu rencontrer lors de la série vidéo Red Bull Neymar Juniors 5. En effet, j'avais sélectionné 7 joueurs aussi talentueux les uns que les autres pour pouvoir faire partie de mon équipe. Mehdi, un ami de longue date qui avait participé à pas mal de street tournois et surtout qui avait fait partie de l'équipe de Vince Guy lors de la CN Cup saison 1, a retenu votre attention lors de ses vidéos. Du coup, j'ai décidé d'aller le rencontrer dans son quartier à Argenteuil, là où il a appris toutes ses techniques. Il fait partie d'un des plus grands clubs de futsal, mais surtout représente la sélection algérienne de futsal actuellement. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à Tonton Céane pour la reprise des vidéos et dites-moi en commentaire dans quel autre quartier je devrais venir. Pour ne manquer aucun prochain épisode, abonne-toi à la chaîne Coach Céane et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Assez parlé, on va à Argenteuil, il y a beaucoup de monde qui m'attend et ça va partir un petit pont, j'en suis sûr. C'est parti. Mehdi, ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien? Tranquille, okay. Cool. Bon, aujourd'hui les gars, on est avec Mehdi. Mehdi, dis-nous, où est-ce qu'on est là? Ici, t'es dans ma maison. On est à Argenteuil, c'est ici que j'ai appris à jouer au foot. Ici, c'est ton terrain là? Là, ici, de 0 à 10 ans, on s'entraînait ici. Et ensuite, il y avait mon terrain de foot, donc je vais t'y emmener. Ça sera un terrain de foot là-bas? Là-bas, c'est la petite surprise, c'est ça que je t'emmène. Allez, vas-y, c'est parti, moi je suis allez, chaud. Allez, c'est parti. Parce qu'on m'a dit qu'à Argenteuil, il y avait un terrain de dingue. Donc là, YouTube, en soyez prêts, ça va être la folie. Vous êtes prêts? J'espère. Ok Mehdi, c'est un terrain de fou. Comment tu l'appelles ce terrain? Il n'y a pas de nom. Bon, hey, les gars, dites-moi dans les commentaires le nom de ce terrain, tellement c'est un truc de ouf. Il y a des graphes synthétiques, il fait beau, il y a du public. Franchement, ici, c'est magnifique. Donc je vous invite à venir ici à Argenteuil et de venir sur ce terrain pour un peu squatter et voir comment ça joue parce qu'il y a du niveau. Mehdi, tu sais que je vais dans chaque quartier et à chaque fois, je demande comment vous jouez au football. C'est-à-dire, il y a toujours des petits jeux, tu vois. Ici, on a un petit jeu, il s'appelle Prépare ton postérieur. Ok. Ok, ça on veut dire l'eau. Soit qui se mange 5 buts de suite, bah, il va donner son postérieur et on va tous lui mettre une frappe. Donc, faut pas que je me prenne 5 buts. Parce que sinon c'est moi qui vais prendre cher. Et si je prends pas 5 buts, c'est Mehdi qui ira au but. Donc c'est parti, on y va. On est à Argenteuil, on m'a dit qu'il y avait archi du niveau ici, est-ce que c'est vrai? Ok, ok, eh hey. Bon, ils m'ont mis au but. Le but du jeu, c'est pas prendre 5 buts. Parce que si je prends 5 buts, ils vont m'allumer. Faire attention, ils sont malins. Pour ce premier jeu qui a l'air très marrant, il faut 5 joueurs. 4 joueurs autour des buts et un gardien. Le perdant sera le gardien qui prend 5 buts. Lorsque tu es au but, si tu prends un but, tu y restes. Si tu sauves le but, tu sors des buts et c'est un autre qui va à ta place. J'espère vraiment être celui qui va pas avoir le cul rouge. Pop, il donne des passés. Ah, c'est chaud, ils veulent m'allumer les salauds. Le Kharza Popiette. Lui tirer dessus, maintenant il a perdu. Bon, moi je peux pas trop tirer, vous savez, je suis blessé donc je vais donner ma place à un petit d'ici. Mais le pauvre va se faire allumer. Mehdi va commencer, c'est parti. Hey, qui c'est qui a la plus grosse patate ici? Tue-le! Dans la tête! Ok les gars, on est ici tranquille, là c'est 2 contre 2. S'il y a quelques buts, on va tourner, on va essayer de jouer avec maximum de personnes. Mais surtout s'il y a un petit peu ou un geste technique, la personne on la sort du terrain direct. C'est parti. Oh,
Ça va ou pas? J'arrive, on se chauffe. En train de monter à Argenteuil, tranquille, en plus on a du son. Massim et Yanis contre nous. Eh les gars, vous êtes chauds pour nous détruire ou pas? Ouais. Eh les gars, ils sont à domicile, vous les supportez un peu quand même. Check le début du match. C'est bon, allez, c'est parti, joue. Joue, allez là. Ok, maintenant on a les deux plus gros challengers, Issam et Mohamed. Ils nous ont dit, les gars, ça va durer maintenant. Donc on va laisser un peu plus de temps parce qu'il faut qu'ils s'échauffent. Mais je vous promets que ce qu'ils vont vous montrer, ça va être du lourd. Je vais lui montrer ce qu'on sait faire à Argenteuil. Allez, check. Oh, les gars, bon courage. Franchement, ils ont géré, bien joué à vous. Bon les gars, on va me faire des deux contre deux. On est absolument kiff. Franchement, Argenteuil, ça joue. Hein. Ah, je t'ai dit, c'est physique ici. C'est physique, c'est technique, il y a du niveau, il y a de l'ambiance. Les gars, venez à Argenteuil jouer du match de street, vous n'avez rien à faire le samedi après-midi, dimanche après-midi. Venez ici, on va le surnommer le terrain. Mettez un mot dans les commentaires et il choisira. Avant de finir la vidéo, je voudrais dédicacer cette vidéo en fait à un ami à nous, plus précisément son ami, qui est malheureusement disparu en accident de moto, et c'est un mec avec qui on a fait pas mal de vidéos et que vous connaissez, et franchement il sera toujours avec nous, et voilà, c'est un mec qu'on a partagé plein de moments, plein de tournants, et cette vidéo on est venu aussi à Argenteuil pour lui. Walid, grosse dédicace à toi, on est avec toi. Walid. Voilà. Mehdi, dès son plus jeune âge on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec lui. On se battait pour l'avoir dans l'équipe. Pendant les vacances scolaires, il tirait tous les matins sur la barre, il essayait de viser la barre tous les matins. C'était son but de 8h à midi, il n'a pas lâché et aujourd'hui, voilà, on est fiers de lui. Bon les gars, on est à Argenteuil, vous savez, on aime bien mettre en avant les talents du quartier, que ce soit sur le digital ou en live. Donc là, on a un petit youtubeur qui nous fait quoi, toi? Du gaming. Du gaming? C'est quoi ton jeu préféré? C'est Fortnite. Fortnite, à ce qui paraît, t'es archi chaud, c'est quoi ta chaîne YouTube? C'est Philox Espace Officiel. Ah là là, Philox Espace Officiel, je mets tout en description, allez le suivre, donne-lui la force. Et bien sûr, l'homme qu'on est venu visiter, hein, faut lui filer un maximum de force, s'appelle Mehdi, Mehdi La Folie. Sur Instagram, il est en description, donnez-lui de la force, parce que ce mec-là, je le connais depuis 10 ans, il a jamais changé, c'est un mec en or et il est trop fort au foot. Bon les gars, j'ai une question à vous poser, qui connaît l'intro de Coach Yann? Vas-y. Salut là, tu vois, c'est Coach Yann. Il manque un truc, il manque non, c'est quoi ça? Salut la coach, la YouTube, c'est Coach Yann. Non, c'est pas ça, il manque non, un truc. La YouTube, c'est Coach Yann, comment ça va aujourd'hui? Non, c'est pas ça, c'est ça. Il met des petits points à tout le monde depuis tout à l'heure, je l'ai grillé. Vas-y, salut la YouTube, c'est Coach Yann, ça va ou quoi? Ouais, bravo, il a réussi, il a réussi. Bon voilà les youtubeurs, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Franchement, mettez un maximum de pouces bleus pour Argenteuil parce que ici c'est le feu de Dieu. Les gars, faites du bruit s'il vous plaît.
It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est la règle, cliquez pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur le coach qui apparaît sur la tête de ce mister là. C'est bon, t'as cliqué ?